Attends, avant que tu révèles plus, ouais. On va montrer une des peintures que vous avez fait tous les deux il y a combien de temps? Il y a une semaine. Avec quel morceau? Alors, le morceau, celui-là, c'est Original Love des Phillies, un groupe des années 80, un groupe américain. D'accord. Des étudiants américains. Et tu l'appelles comment, la peinture? Ça s'appelle Original Love. Original Love. Voilà. Alors, ok, on regarde. Ah oui, c'est super. Et là, je ne sais pas encore si on peut voir les reflets, mais quand on regarde cette peinture, c'est presque three-dimensional. Ça fait trois dimensions, en fait. Ah, et en fait, le travail... Alors, je sais que toi, tu aimes l'orange. Donc, est-ce que c'est toi qui as fait l'harmonie. L'orange? Oui. L'harmonie, oui. Ouais. Et dis-moi, alors, comment ça marche exactement? C'est toi qui pars en premier? C'est Pia qui part en premier? Comment vous distribuez? Alors, en fait, moi, je commence par l'abstraction. C'est-à-dire que je peins en dansant. Je me laisse totalement imprégner par le morceau que je mets en boucle dans l'atelier. Je monte le son assez fort. J'ai des bonnes enceintes. Je mets Original Love en boucle. Ça peut durer un quart d'heure, une demi-heure. C'est généralement pas plus d'une demi-heure. Et en fait, je crée un fond. Un fond qui est totalement abstrait. Et qui, en fait, une fois qu'il est sec, Céline intervient avec des pochoirs, avec plein de principes, avec des carnets qu'elle a de ses dessins de végétaux et choses comme ça. Et elle intervient, elle, pour donner un peu un sens réaliste à l'abstraction. En fait, elle rend figurative l'œuvre abstraite, ce qui fait qu'on joue sur deux tableaux. On a vraiment cette... Donc là, par exemple, sur ce tableau-là, qu'est-ce qui a été fait en premier? Les couleurs orange, c'est bleu. Ça, orange. En fait, les tons chauds ont été faits en premier, les jaunes et orangés. Oui. Ensuite... Donc il y en avait beaucoup plus, et elle, elle est venue après, et elle a peint dessus. C'est ça, pour masquer, pour faire des choses comme ça, qui donnent un effet de profondeur, de mouvement, et un peu cet aspect trois dimensions. Hein. Mais est-ce que ça se fait pendant que c'est encore mouillé, ou alors est-ce que vous attendez pour que ça sèche? Voilà, c'est ça. Absolument. Donc c'est un procès de deux jours. Oui, c'est... En fait, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on considère qu'on passe une semaine sur un tableau, du début à la fin, parce qu'on fait des patines, on fait des tas de choses pour que les choses soient le plus équilibrées possible. On adore le regarder. En fait, ce qu'on fait, c'est que l'atelier est dans la maison. Et quand une pièce est quasiment prête, on la met dans notre cuisine. On a un mur spécial pour voir les œuvres, comment elles vivent au quotidien. Et en quelques jours, on fait deux, trois interventions pour les équilibrer à notre... On regarde ce qui va moins, etc. Et au final, quand c'est prêt, on signe, on vernit et on touche plus. J'aime beaucoup celui-là aussi. Il y a des nuances, même si je suis un fan d'orange, là j'ai été très light sur l'orange. Avec Céline, quand on s'est rencontrés en école d'art à Paris il y a maintenant 35 ans, on s'était promis qu'un jour on ferait des œuvres ensemble parce que on a les mêmes goûts, on a exactement la même approche de la peinture. Par contre, elle est extrêmement sensible et douée en figuration, et moi je suis sensible à l'abstraction. Donc on s'était toujours dit qu'on fera un jour un mélange, c'est-à-dire qu'on jouera sur les deux tableaux, moi l'abstraction et elle la figuration. Et on s'est dit, mais comment on peut faire ça? Et en fait, on l'a traduit de différentes façons depuis 10 ans, et puis depuis 3 ans, donc c'est très récent, on s'est dit, mais voilà, en fait, on va commencer par faire une abstraction en amenant quelque chose qui nous unit aussi l'un et l'autre, c'est la musique. On est absolument hyper sensible à la musique. Et en fait, on s'est dit, on va se faire une playlist idéale. Là, on en est à 800 morceaux. Je ne sais pas si on fera 800 toiles, mais on a 800 morceaux pour peindre. Et chaque peinture a le titre d'un morceau. Ouais.